on fait le cours. La réfoua shlema de Yosef Haïm ben Emma Simcha, Yaakov ben Rachel, Yeshua ben Toba Gittel, Yaakov ben Gisèle Gziza, Avraham Gilbert ben Simcha, Esther bat Margot, Corinne Keren bat Rivka, Simcha bat Myriam, Haïm ben Sarah. Donc, et tous les autres malades. On va faire une sorte de petit voyage dans Misiat Yesharim. On va essayer de rapidement survoler le texte pour donner une base à l'étude du Moussar. Alors tout d'abord, vous savez que le Misiat Yesharim s'ouvre sur une introduction où il dit que l'homme a été créé, très intéressant, l'itanot la Hachem, à l'Hachem. C'est omerette de jouir de la présence divine. Très drôle définition de l'humanité. L'humain est celui qui est créé, qui a été créé pour jouir de la lumière divine. Donc on est très loin des définitions d'Aristote, que l'homme est un animal parlant, ou bien d'autres personnes, l'homme est celui qui enterre ses morts, l'homme est celui... Il y a eu toutes sortes de définitions de ce qu'on appelle un homme. Dans la Torah, dans le judaïsme, l'homme... Et celui, non pas simplement celui qui se dirige vers Dieu, ça aussi ça existe dans d'autres approches spirituelles, mais la Torah est la seule qui révèle que l'essence de l'homme serait non seulement d'aller vers Dieu, mais l'itanot, qui est un terme très fort, ça veut dire jouir de la lumière divine. Alors en quoi est-ce que ça serait le but de l'homme, l'essence de l'homme? Alors là, on a déjà le début de Misiat Yesharim nous dit que sans cette notion de ta'anoug, l'homme aurait été créé pour le ta'anoug, parce que le ta'anoug, c'est l'adhésion. Le ta'anoug, ça veut dire c'est la jouissance, le plaisir qui crée une adhésion. Et c'est en ça que la Torah échappe au caractère morbide ou mort, si vous préférez, sans vie, de l'idéologie ou de la religion. Dès qu'on est dans un rapport juste théorique, juste de penser qu'on met la vie à droite et les principes à gauche, et que les deux ne sont pas liés, on est dans un rapport pervers à la vie. Et ça peut exister partout. On peut être des gens, moi je connais plein de gens autour de moi, et ça peut nous arriver à nous aussi, où on a des principes. On a des principes. On ne va pas dire du Lashon Hara. On sait que ce n'est pas bien de dire du Lashon Hara. Vous avez 10 ans, c'est terrible, c'est une des choses les pires du monde. Ceci dit, quand on est ensemble, entre copains ou copines, on n'a rien à dire. Alors on s'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on va parler un petit peu de la chandara quand même, parce que sinon, on va gâcher notre journée. Alors, voilà le problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas y vivre, on ne peut pas discuter si on ne parle pas un peu des gens. Mais dès qu'on parle des gens, on fait du chandara, la plupart du temps, 100%, ou 99,9%. Une conversation, on parle de quelqu'un, 100% positif, et même qu'on fait positif, ça peut être du chandara. 100% positif, et que ça n'a aucune couleur du chandara, ça n'existe pratiquement pas. Mais si on n'a rien à se dire, si on ne peut pas parler des gens, on s'ennuie. Voilà un exemple d'une déconnexion entre la vie et les principes. Ça veut dire que je ne peux pas envisager une discussion sans parler des gens. C'est ma vie. D'un autre côté, mon principe me dit, il ne faut pas parler mal des gens. Alors comment on fait? Alors on ne parle pas des gens. Alors on parle de quoi? Des oiseaux. D'accord. C'est le mieux, ça, si on peut. Mais c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, c'est un exemple. Il y a 1000 exemples. 1000 exemples. Alors, le problème, c'est ça. Si on dit des Tehillim, c'est vrai. Mais alors là, on passe à côté d'une relation humaine. La personne vient vous parler, elle a besoin de vous. Donc, on s'est fait avoir. Quelqu'un qui vient et qui dit, je vais dire, non, je dois dire la Shonai, il dit Tehillim. Alors, il va avoir un Gan Eden parce qu'il a dit Tehillim, il aura un petit Gehinom parce que la personne, il n'a pas répondu à l'appel de la personne en face de lui, qui a besoin d'aide, qui a besoin de rapport humain, qui a besoin de parole. Donc on est coincé. Oui, mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour parler sans parler des gens? Ça, c'est un exemple. Mais il y a 1000 autres exemples, je ne veux pas donner 36 exemples, mais tout le monde a des exemples, c'est pareil. Il y a des gens qui tuent à toute la journée. Et quand ils se mettent à manger, vous voyez, ils mangent comme des goinfres. Mais comme des goinfres. D'où ça vient, ça? Ça vient, encore une fois, de ce manque de passerelle, d'union, entre le ta'anoug et la vérité.
Et donc la base de la vie juive, c'est ce lien entre le plaisir, entre guillemets, on va voir ce que c'est, l'adhésion, on va l'appeler, et la vérité. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors c'est très simple. Le Rav Pinkus, Alav Shalom, il donnait un exemple. Il disait, si vous avez deux personnes, exactement identiques, les mêmes, la même barbe, les mêmes papillotes, le même chapeau, le même frac, le même steak, le même verre de vin, et les mêmes frites en face de deux. Les deux pareils. Et il dit, les deux, un, il mange, il est proche de Dieu. Et l'autre, il mange, il est proche du sanglier. Comment c'est possible? C'est quoi la différence entre les deux? On les voit dans les deux, on met une caméra, c'est les mêmes. Le même visage, la même barbe, le même chapeau, le même frac, le même sec, le même verre de vin, les mêmes frites. Pareil. Un qui est proche de Dieu et l'autre qui est proche du sanglier. Dire à Pinkus, il dit, tout est dans le toda'a, dans la conscience. Ça veut dire que si quelqu'un, quand il mange, et qu'il y a un principe qui s'appelle ta'avot mevakesh nifrad. Ta'avot mevakesh nifrad, ça veut dire le plaisir demande une séparation. Fichez-moi la paix, vous connaissez le principe? Fichez-moi, c'est l'heure où je mange. Vous connaissez l'histoire avec l'enfant, le pauvre? Il y avait une fois dans une classe, le rabbi demande, quelle est la chose la plus importante pour votre père? Alors là, il dit la tfila, l'autre il dit la Torah, l'autre il dit la tzedaka. Et là, il a dit le tchulent, ou la daf pour les sfaradim. La tchulent ou la daf, un des deux. Il dit, quoi, tu te moques de ton père? Bon, vous connaissez un plaisir, t'as fait vite. Et alors, il dit, pourquoi tu dis ça de ton père? Il voit qu'il ne dit pas ça solamment, qu'il dit ça vraiment. Il dit, c'est très simple, mon père, quand il lit la Gemara, on peut lui poser des questions. Quand il dit les Tehillim, on peut l'interrompre. Quand il mange le tchulent, c'est le moment sacré. On ne peut rien lui dire. Ça veut dire quoi? Que l'enfant, derrière Hagar, c'est un grand moussard pour l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, ils se fichent complètement des grands principes, il faut comprendre ça. La Torah, c'est le plus important, la Torah, c'est le plus beau. La Torah, mais quand on dit la Torah, on s'arrête pour te répondre. Et quand on mange le tchulent, on ne peut jamais dire, l'enfant, il enregistre que le plus important, c'est le tchulent, pas la Torah. Tu peux lui faire 56 discours que la Torah, c'est le plus beau, ça ne rentre pas dans la tête. Ce qui rentre dans la tête, c'est le message dans la vie. Message du corps, message de l'existence, de l'engagement. C'est ça que l'enfant croit, c'est ça qui reste chez l'enfant. Ce n'est pas les beaux discours lénifiants, ça ne reste pas. Les gens, ils disent, je ne comprends pas, j'enseigne mon enfant toujours la Torah, la vérité, et il passe sa vie à voir des films. Et ben, c'est, quand ces personnes posent ces questions, vous voyez que très souvent les parents, au moment de repos, ils voyaient des films. Ou bien, ils n'étaient pas en connexion avec la Torah. Ça passe très souvent comme ça. En d'autres termes, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir une relation au plaisir, où le plaisir est une efkerout. On va voir. Efkerout, ça veut dire, c'est très compliqué, efkerout. Parce qu'efkerout, ça veut dire, on va dire un laisser-aller total. Ceci dit, il y a des gens qui vous disent, moi j'étudie tellement la Torah, je suis tellement fatigué, j'ai besoin le soir de me relaxer. Je ne peux pas tout le temps être en mission divine. J'ai besoin de me laisser aller de temps en temps. Efkerout. Ça, c'est Efkerout. Quand quelqu'un fait la Efkerout, le plaisir de la Efkerout, c'est un retour à l'animalité. Un retour à la bestialité, un retour à la chair telle qu'elle est. Et ça, c'est catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'il fait le deuxième qui mange le steak? Lui aussi, il mange le steak. Simplement, le deuxième, quand il mange le steak, il a une conscience. Que quoi? Que celui qui donne à manger, c'est Dieu. Et de la même façon qu'un nourrisson, il tète le sein de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère, cet homme-là, en mangeant, le plaisir qu'il a dans la bouche, qui inonde son corps, il le prend comme une énergie divine qui lui donne la vie. Et donc à ce moment-là, il est kadosh. La différence entre les deux, c'est une conscience. Être capable de traduire son existence en mitzvah, son existence en kdusha, son existence en Torah. Et tout ça, ce n'est qu'une conscience. Et c'est un travail. C'est-à-dire que la personne, elle va s'amuser, la personne, elle va se relaxer, la personne, elle va même prendre un peu pendonné, mais elle va l'intégrer dans un travail divin. Elle va dire, j'ai besoin de me relaxer maintenant pour mieux étudier demain, et pour cela, je vais prendre ce plaisir, etc. Mais ce plaisir, je vais le coller à un sens qu'est la Torah, qui fait que l'activité est sanctifiée.
La conscience, ça veut dire décider que je fais ça pour une question de Torah. Ça veut dire maintenant, je mange. C'est pas du tout pareil si je mange en essayant de m'oublier, d'oublier de retourner au Yatsera pur, ou faire un travail quand je mange, de trouver que cette énergie, ce bon goût, ce Ta'anoukia, il vient d'Hachem, et que j'ai la conscience que ça vient d'Hachem, et que je remercie Dieu à chaque bouchée, et que je suis connecté avec Dieu à chaque bouchée, c'est pas le même acte du tout, du tout, du tout. Pourtant, au niveau extérieur, c'est pas une grande différence. C'est pas une grande différence. D'ailleurs, c'est ça la notion de Jacob. Jacob, la définition d'Israël, c'est Jacob, c'est Yud-Kob. Yud, c'est le futur, Kob, c'est la mort, la malédiction. Le juif est celui qui est capable de transformer la malédiction, la mort, en bracha, en futur. Donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est ça être juif. C'est transformer le malheur en bonheur. Transformer ce qui est censé t'abaisser, au contraire, en une marche qui t'élève. C'est ça être juif. Et ça va beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il y a une fois dans la Gemara une discussion entre les sages. Qu'est-ce qu'on fait justement avec le plaisir? Il y en a un qui dit je ferme les yeux, qui dit je tourne la tête. Un qui dit au contraire. Moi, je regarde et je dis que Dieu a créé de belles choses. Et la Gemara, elle dit quoi? Il n'a pas de Yatsara? Et elle dit non, si c'est une mitzvah, il a oui du Yatsara, ou du désir. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple comme la nourriture. Un tzaddik, manger pour manger, ça n'intéresse pas. Manger pour manger, c'est le ventre, la matière, le truc, c'est affreux. C'est Shabbat? C'est pas qu'il dit, ah, c'est Shabbat, maintenant je suis obligé de manger. Ah, là, ça va être très dur de manger, je suis trop tzaddik pour manger. Ah, mais quand même, c'est Shabbat, je vais me l'ordonner, je vais manger. Ça, c'est les curés. Non, non, nous, pas du tout. On dit, c'est Shabbat. Le métabolisme, le corps, il est branché comme une prise électrique sur la mitzvah. Si c'est une mitzvah, c'est tout le corps qui s'allume. C'est l'appétit qui s'allume. Shabbat, c'est Anouk Shabbat, on est que Shabbat. Mais on le fait parce que ça a un sens. Manger pour manger, on mange pas. C'est pas inintéressant. Prendre du plaisir pour prendre du plaisir, c'est nul. C'est le corps, c'est la mort, c'est l'animalité, c'est la bestialité. Mais quand ce plaisir-là est lié à un sens, à la Torah, c'est pas que je le fais par devoir, comme une obligation. Là, le corps, le plaisir, la vie accompagne la mitzvah. À ce moment-là, on a fait, ou plutôt illustre la mitzvah, mais kayem la mitzvah. Là, on a fait le lien entre la vie et la vérité. On vit comme un juif. Comprenez le problème? Donc, il y a deux écueils. Quand on commence le moussa, il y a deux écueils à éviter. Premier écueil à éviter, c'est, ça c'est tout le monde le connaît, c'est le fait de dire, je les principes à gauche. Là, on sait très bien qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas envier, il ne faut pas le lotar, il ne faut pas dire la shonara. Et j'ai la vie à droite, et je fais tout le contraire qui est écrit dans la Torah. Et je fais après tchouva, le cycle infernal, ça c'est de tomber, de refaire. Bon, plein, on vit très souvent comme ça. Il y a un peu plus haut, mais c'est aussi pas du tout le bon niveau. C'est de faire les choses. Parce que j'ai peur du guéhinnom, parce que j'ai peur de Dieu, même un tzaddik. Mais ça n'a aucun rapport avec ma vie. J'ai enterré ma vie. Ma vie, mes désirs, j'ai jamais donné le droit au chapitre à mon désir, à ma vie, à ce que je suis, à ma personnalité. J'ai fait les choses parce qu'il fallait les faire. Le yéké intégral. Vous connaissez le yéké intégral? C'est quelqu'un qui fait les choses parce qu'il faut les faire. C'est très bien, mais ça ne va pas très loin. Tous les grands d'Israël, tous les tamidei chachamim, tous les tzaddiks, c'est quand ils ont été capables de lier les deux dimensions. Ça veut dire qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et plus que ça, ils ont intégré leur vie, leur désir, leur énergie, leur poésie, leur intériorité à la Torah. Quand ils ont fait ça, ça fait une dynamique de vie et de Torah, de vérité et de vie qui sont liées, qui rend le tzaddik intégral. Quelqu'un voulait poser une question là tout à l'heure, non? C'est bon? Oui? Allez-y. On lui dit, même s'il a besoin de parler, on doit lui dire, transformer, justement, encore une fois, il faut transformer la parole de ceux qui font la Shonara, l'orienter vers autre chose. D'abord, on neutralise, on lui dit, on fait une mitzvah. On dit, pourquoi tu dis ça de lui? Parce que tu as ce problème-là, parce qu'il t'a fait ça, mais peut-être que ça. Tu essaies de transformer cette parole qui veut faire du mal à l'autre en lui faisant du bien à l'autre. Ça veut dire, en orientant, si dans la mesure où on peut le faire. Si on voit que c'est impossible, on arrête de dire, je ne peux pas t'aider, on parle d'autre chose. Mais toujours avoir cette idée de transformer le mal en bien. Si le souci c'est de transformer le mal en bien, tout va bien. Alors d'abord, il faut prendre chaque jour 5 minutes où on casse avec le cours de la vie. Ça s'appelle une bonne doute. Ça, c'est très important, sinon on ne s'en sort pas. Ça donne après une latitude par rapport au rythme.
10 minutes, vous dites à votre mari, à vos enfants, à n'importe qui, je ne veux pas vous voir. Pendant 10 minutes, c'est 10 minutes pour moi. Je ne veux rien avoir à faire avec personne. Téléphone, on coupe. Je suis 10 minutes avec Akadosh Baruch Hu. 10 minutes par jour. Pas forcément au prix. On peut parler, on peut penser, on fait ce qu'on appelle Cheshbon HaNefesh. Où j'en suis par rapport à ma tefila, où j'en suis, est-ce que je prie bien, est-ce que je prie mal, où j'en suis par rapport à mon étude, où j'en suis par rapport à mon chesed, où j'en suis, qui je suis, comment je vis ma vie. Prends le temps de réflexion sur son Avodat Hashem. 10 minutes par jour. Ça, c'est essentiel. Après, le problème du rythme, c'est un problème aussi de conscience. Ça veut dire, on peut faire la même chose en s'excitant et la même chose très calmement. C'est au même rythme du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être stressé. Ça, c'est un travail de Emouna, où tout ce qui arrive, c'est il ne faut pas être tout le temps se sentir obligé de correspondre à une exigence qui nous entoure. Je fais les choses par rapport à un critère de bien ou de mal que Hachem me dit. Donc je vais faire ça, tout va bien, je le fais en temps qu'il faut. Maintenant, il faut être maître du temps. Il ne faut pas être tout le temps l'esclave de ce que j'ai à faire, ça c'est pas bon. C'est une façon de réorganiser son rapport aux choses, pas tellement l'emploi du temps de la journée. La même personne, deux personnes, elles vont faire la même chose exactement. L'autre, ça lui va être affaire parce qu'il a peur. Donc, il est complètement stressé. Et l'autre, il fait la même chose, des fois plus efficacement, avec un rythme à lui, parce qu'il n'a pas peur. Ça ne dépend pas des choses, ça dépend du rapport aux choses. Donc, après, deuxième étape. Donc, on a fait la première étape. Donc, là, dans cette première étape qui est donnée par le Mishnah Tcharim, il y a donc l'idée d'arriver à ce niveau de joindre le Tanoug et la vérité, qui passe aussi, principalement, par un projet. Un homme n'est pas un homme s'il n'a pas de projet. Donc il faut chacun vous poser la question maintenant. Est-ce que vous avez le projet de devenir une tzadekette? Ça existe chez vous ou pas? Est-ce que vous avez le projet de devenir une tzadekette? Echetraï. Ça veut dire qu'il faut se dire, voilà. Il veut dire, je suis né à un niveau 1. Vous êtes déjà une tzadekette au niveau 10. Mais il y a une tzadekette au niveau 20. Est-ce que vous êtes arrivé au niveau de Sarah Imenu? Ah oui, peut-être, d'accord. Alors si vous êtes arrivé, tout va bien. Tout va bien pour vous. Ceux qui sont déjà arrivés, je ne parle pas pour eux. Vous comprenez? Il faut se donner un but. Il faut se donner un but. C'est très important ça. La vie, elle doit s'articuler autour d'un but. On ne peut pas, là, par rapport à ce que vous disiez, le rythme de la vie et tout, catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné dire, je veux arriver, il faut d'ailleurs. C'est ce que je dis des fois à ma vraie chine qui me prennent pour un fou, mais c'est pas grave, je le dis. Je dis, si vous venez étudier ici pour étudier, ça ne m'intéresse pas. Je veux que vous ayez l'ambition un jour de faire des miracles. Dites ça à des vraies chines, là, qui sortent de Panovich et de Révon, ils vous prennent pour un fou. Mais c'est pas grave, ça rentre quand même. Sur le moment où ils vous prennent pour un fou, ça rentre après. C'est-à-dire qu'il faut espérer arriver à un niveau d'être un tzaddik. Très à sa métime. Il faut espérer. C'est peu de chance d'y arriver, on est d'accord. Mais il faut au moins travailler pour y arriver. On ne peut pas passer sa vie dans la médiocrité. On ne peut pas passer sa vie dans la médiocrité, dans le contentement des petites réalisations. C'est ce que dit le Mishnah Tcharim. Et il dit que celui qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de la villa de luxe, oh là, maba. Qu'on me donne un petit HLM bien chaud, ça me suffit. Du moment que j'évite les flammes du Guéhinnom, ça me suffit. » Il dit, ces gens-là sont des menteurs. Ils se mentent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que prenez votre copine, exactement votre copine, la même, qui est comme vous, qui tout d'un coup, on lui donne, pour les jeunes, hein, ou même pour les moins jeunes, qu'on lui donne un super chidour, on lui donne une super villa, on lui donne de l'argent, tout le monde dit qu'elle est merveilleuse. Et tout le monde, personne ne vous regarde à vous, et personne ne vous donne, et on vous donne. Il n'y a pas un moment donné, il dit, mais pourquoi pas moi? Bien sûr qu'on va le dire. Ah, alors pour le Olam Hazeh, oui, mais pour le Olam Haba, non. Alors que le Olam Haba, c'est milliards d'années, ici, c'est 70 ans. Donc, c'est pas logique. Donc, ça, on n'y croit pas vraiment. Que si on y croyait vraiment, on n'est pas prêt à renoncer à la grandeur. Et donc, il est essentiel, dans son existence, de se donner des objectifs de grandeur. De devenir des tzadikim, de devenir des tzidkaniot, de devenir des eshetrail. Maintenant, c'est pas juste vague. Comment est-ce qu'on fait ça? Dit le Gaon de Vilna, il faut réfléchir toute une nuit, ou ceux qui ont besoin de dormir toute une journée, demander autour de soi, quelle est notre meilleure qualité et quel est notre pire défaut? On demande à son conjoint, mais lui, il va vous trouver 3-4 défauts. Ça,
Vous demandez aux gens qui sont autour de vous quel est mon pire défaut. Vous essayez de comprendre vous-même quel est votre pire défaut. On le sait, plus ou moins pas tout le monde. Hein. Et il y en a, ceux qui vous disent, ah oui, j'en ai plein, celui-là, c'est avec lui, il ne veut pas voir son vrai défaut. Quand quelqu'un il sait son problème. Et il faut voir sa plus grande qualité. Et passer son existence à essayer de magnifier au maximum sa plus grande qualité. Celui qui est généreux, par exemple. Il ne faut pas qu'il donne un petit zaka à chaque fois qu'il passe. Il faut qu'il devienne champion du monde de la générosité, qu'il fait des mosdot pour aider les gens, qu'il prenne sur lui une famille en difficulté, qu'il se fasse une boucha en appelant ses amis, en demandant de l'argent pour aider les gens qui ont pas assez d'argent pour Shabbat. Il faut qu'il magnifie ça. Il faut qu'il sacrifie pour arriver au summum de sa grande qualité. Celui qui est intelligent, il doit devenir un grand Talmid Chacham. Celui qui sait organiser les choses, il doit organiser, je sais, pour les chivotes, pour les mosdot, je sais pas. Chacun doit prendre sa qualité et la pousser au maximum. Au maximum. C'est ça le but. C'est comme ça qu'on arrive à un tzadik. C'est pas des choses générales. Et deuxièmement, quand tu prends ton yatsara, tu étais coléreux, par exemple, c'est ton problème. Il y a des problèmes chez les gens, ils sont coléreux. Ils sont très gentils, mais ils sont coléreux. Et bien, il faut absolument qu'ils travaillent la guerre totale. Ce qu'on appelle la guerre totale, en lisant les livres de Moussa, qu'est-ce que c'est la colère, en montant les mains, comment combattre la colère. C'est-à-dire qu'entre où on est maintenant et le but, il y a des emsaïm, il y a des façons d'y arriver qui passent par Cheshbon HaNefesh, tous les jours, de dire, voilà, comme un businessman, aujourd'hui, Tfila, c'était moyen, j'ai vendu pas beaucoup. Par contre, là, au niveau de la colère, j'ai bien fait, je me suis pas mis en colère, j'ai failli me mettre, je me suis pas mis super. On écrit, et alors demain, il faut que je travaille ça. J'ai perdu ça, j'ai gagné ça. Bref, tenir un cahier, avec, comme les comptables, vous savez, passif, actif, je crois qu'ils appellent passif, actif, positif, négatif, en tous les cas, et travailler, quoi, et voir l'évolution. Et tous les mois, faire un bilan. Comment j'étais il y a un mois, comment je suis aujourd'hui. Tous les 6 mois, refaire un bilan. Tous les grandir. Et avoir une vision pour devenir un tzaddik. Dit le Rav Sim Razisal que la différence entre le tzaddik et le racha, si je vous demandais la différence entre le tzaddik et le racha, c'est quoi? Il dit, tu vois, incroyable. Si c'était pas lui, je dirais, c'est un fou. Oui, mais il dit, non, il y a qualité. Quelle est la qualité qu'il faut? Il dit, Kohar Hatziur, l'imagination. Kohar Hatziur. Non, il dit, ça dit qu'il a un Kohar Hatziur. Il s'élève au-dessus des évidences. Il n'est pas contenté par la petitesse de son existence. Il a un Kohar Hatziur. Il peut se projeter comme quelqu'un qui plus tard fera revivre les morts. Il veut. Il n'est pas limité par les définitions et le déterminisme environnant. Un rachat, il est obtus, il est fermé. C'est pour ça qu'il fait des avérantes, parce qu'il ne voit pas. Quelqu'un qui verrait deux secondes, la vérité, deux secondes, il verrait ce qu'il y a après la mort, l'olam haba. Il verrait pourquoi Dieu nous a créés. Il verrait la total picture, comme on dit en anglais. Il verrait il verrait tout. Le pourquoi, l'origine, le maintenant, le après. Mais il verrait ça deux secondes, il reviendrait, il serait plus de sadique que Moshe Rabbeinu. Il ne ferait jamais une seule avéra. Il n'est pas idiot. On ne se brûle pas au feu quand on sait que le feu brûle. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il est menteur, le rachat? Non plus, il est misken. Parce qu'il ne voit pas. Il voit que l'appétit maintenant. Il voit comme un animal que je veux la côtelette. Ah, c'est la côtelette, elle est tarif. J'en veux, je m'en fiche. Il ne voit pas plus loin que le... Alors, ça, c'est le rachat primitif. Mais il y a des rachats plus élaborés. Le rachat, les gens, ils voient que leur kavod. Ils sont prêts à faire du lachonara, ils sont prêts à descendre quelqu'un d'autre pour leur kavod. C'est aussi pire que, c'est encore pire que le rachat primitif. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a toujours la vraie vie, la différence entre le rachat et le tzadik, que le Rav Sim Radisson dit koratzeo, c'est au moment de vérité, quand à un moment donné, ton petit intérêt dans l'amazé est confronté à la vérité. Qu'est-ce que tu fais passer avant? Ça passe très vite, très très vite. Pareil, ton patron te dit, qu'est-ce que vous pensez de ce collègue? Toi, tu veux la place du collègue, ou tu veux le dépasser, ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, tu lui dis, t'as ou bien une parole où tu fais attention à Dieu, t'as peur, t'as iratcha, ça iratcha maïm. Tu dis, je dis la vérité. Ou bien tu dis, oula, oui, il est bien, mais le fameux mais, après qu'il est bien, pour quand même se placer. Ça, c'est
Yatsa, c'est rachat. Tu vois que le présent, tu vois que ton intérêt, tu vois pas la vérité. Ça vient du koratziur. Quelqu'un qui a un koratziur, qui a une vision large des choses, qui a une vision grande des choses, qui a une vision de Dieu, Dieu est devant lui toujours. Il sait la grandeur, il sait que cette vie-ci, c'est relatif, c'est rien par rapport au là-bas. Et donc il vit la vie plus intensément d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Celui qui vit la vie ici absolue, il est limité par la vie. Celui qui rend relative la vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus forte. Parce qu'on sait qu'elle est relative, chaque seconde est merveilleuse. Mais celui-là, il n'est pas pris au piège, il y a ça. Ça passe par le koratziur. Une grande vision permet d'éviter les grandes avérotes. Une petite vision fait des grandes avérotes. Et donc c'est ce qu'il dit dans son introduction, que la première chose qu'on doit faire, c'est 1. Orienter son plaisir, son désir, son existence, son énergie, sa poésie intérieure, son être, la brancher avec le sens, c'est-à-dire avec la vérité, avec la Torah, et 2, d'être capable d'investir son existence dans un projet spirituel, de se projeter et de se faire confiance qu'on peut devenir Eved Hashem, Shifrat Hashem, qu'on peut arriver à un niveau où je serai l'esclave de Dieu, ça veut dire Adam Agadol, pas au sens de l'orgueil, Chas v'Shalom, mais au sens d'accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Qui passe par la localisation de la pire de ses qualités, de la pire de ses défauts, et de la plus grande, de la meilleure de ses qualités, qu'on magnifie et qu'on combat. Voilà. Ça, c'est l'introduction, c'est le programmatif du Messiah Tcharim. Il commence comme ça. Alors après, il ramène cette fameuse Mishnah, où la première shlav, après cela, c'est la Zehirut. Zehirut, on peut le traduire par prudence, on va le traduire par éveil. Être zahir, c'est être éveillé. Éveil, ne pas être endormi. Ça veut dire qu'un homme, il ne va pas comme ça sans être éveillé. Il est éveillé des dangers qui l'entourent et de la mission qu'il doit accomplir. Donc il dit que la Zehirut, elle se définit en deux choses. Première chose qu'on doit faire, chez Idbonen, Mawato va amiti, Vifrarbo va ara, chez Inos Mubedo. Ça a l'air très simple, mais c'est un livre extraordinaire. Parce qu'il dit des choses très simples, mais qui sont très profondes en même temps. C'est-à-dire que c'est les deux en même temps. Et c'est très rare. C'est pas profond parce que c'est compliqué. C'est profond parce que c'est vrai. Ça, c'est le Messie de Tcharim. Donc il dit, c'est quoi la première éveil? La première Zehirut? Et il faut se poser aussi la question, est-ce qu'on a fait ce travail? C'est faire un tableau d'honneur de la vie. Qu'est-ce qui est le vrai bien? Qu'est-ce qui est le faux bien? Qu'est-ce qui est le vrai mal? Et qu'est-ce qui est le faux mal? Ça a l'air de rien, c'est énorme. Vous savez qu'à Yom Kippour, on prenait deux séhirim. On a dit, en français, c'est bouc, je crois. Bouc émissaire, ouais. Deux boucs. On prenait deux boucs. Ces deux boucs, on les mettait, ils devaient être, après Halakha, absolument identiques. Ils devaient être les mêmes au niveau du poids, ils devaient être les mêmes au niveau de la couleur, ils devaient être les mêmes au niveau de l'argent, on devait avoir les payés le même prix. Ils devaient être les mêmes. On mettait les deux boucs devant le Kohen Gadol. Le Sgan Kohen Gadol, l'adjoint du Kohen Gadol, a porté deux plaques en or. Sur une, il y avait écrit Seir la Hachem. Et sur l'autre, il y avait écrit Seir la Azazel. Un bouc pour Dieu, c'était un korban, khatat, qu'on sacrifiait après pour faire une kapara sur Israël. Mais c'était un korban. Et l'autre, c'était le fameux bouc émissaire qui était porté en dehors de Jérusalem, dans un précipice, par un vieux Kohen, parce que celui qui jetait ne pouvait pas vivre plus d'un an, le pauvre. Et pourtant, tout le monde voulait le faire. Mais à l'époque, il n'avait pas peur de la mort. Et, parce que c'était une grande mitzvah. Mais on prenait quand même un vieux. Parce que quelqu'un sait pas, c'était pas, on ne prenait jamais un jeune. Un très très vieux. Mais il fallait quand même qu'il fasse quelques kilomètres à pied. Donc il ne pouvait pas être si vieux que ça. Donc on l'amenait et il le poussait. Ça, c'est des choses alpines, Kabbalah. Parce qu'il avait, il, à ce moment-là, il était tombé. Il y avait une force de Touba incroyable dans Azazel. Azazel, c'est presque le Satan. Bon, ça, c'est des Zohar très compliqués à comprendre. Mais en tous les cas, il y a cette notion qu'ils ont que l'un. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que
le travail qu'on faisait à ce moment-là, c'était un travail, l'Azazel, qui est le diable, qui est le mal, qui est la négatif, qui est la Touma, au poids au bourré, ce pauvre Cohen, et la Hachem, qui est tout. Il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah. Il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah entre ces deux termes, entre Hachem et Azazel. Si vous prenez Hachem et Azazel, c'est la différence la plus radicale qui puisse exister. Or, tout le travail de la différence passait par quoi? Passait par un travail. Le Cohen, quand il travaillait, qu'est-ce qu'il devait faire? Non, il faisait un travail de ressemblance. Puisqu'il devait absolument faire que les deux sires soient les mêmes. Quand il allait au marché, il n'essayait pas de trouver un bouc noir avec des cornes et des yeux rouges qui bavaient pour le Satan ou pour le Azazel, et un magnifique bouc blanc aux yeux bleus et avec une jolie crinière blanche. Non, non, non. Il fallait qu'il soit absolument identique. Comme extraordinaire. Que là où il n'y a pas de plus grand coefficient différentiel, comme on dit en langage savant, il n'y a pas de plus grande différence entre la Hachem et la Azazel. Il n'y a pas de plus grande différence. Et pourtant, pour que cette différence soit avérée, il fallait qu'au contraire, ils se ressemblent complètement. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Oui. Oui, ça c'est vrai ce que vous dites. Mais en réalité, c'est plus que ça. C'est que les vraies différences apparaissent quand on a annulé les fausses dissemblances. Voilà, on pourrait apprendre cette phrase par cœur. Les vraies différences apparaissent quand on a annulé les fausses dissemblances. Vous prenez quelqu'un qui a une oreille percée, une bague dans la bouche, c'est fou là les jeunes, avec du crème sur les cheveux. On dit, il n'est pas beau, c'est un fou. Vous prenez l'autre qui a l'air très bien et tout. Vous mettez les deux, Dieu préserve, dans un camp de concentration, où les deux sont exactement pareils maintenant. C'est pas sûr que le tzadik, on croit le tzadik et le tzadik et le rachat et le rachat. Pour arriver à la vérité, il faut effacer les fausses différences. Les dissemblances qui sont importantes. Si on avait pris justement un bouc noir avec des yeux rouges, avec des... On aurait dit, pourquoi il est mauvais? Parce qu'il est noir, beau, aux yeux rouges et tout. Et pourquoi il est bon? Parce qu'il est blanc. Non, non. La vraie différence, elle ne vient pas des signes extérieurs. Et pire que ça, les signes extérieurs du bien et du mal peuvent camoufler la vraie nature du bien et du mal. On a vu à la Shoah des gens qui étaient des voyous dans leur vie avant. Des voyous. Et dans la Shoah, ils se sont comportés dans les camps de concentration de façon incroyable, admirable. Ils ont donné leur pain aux enfants qui avaient faim. Ils sont morts pour sauver d'autres personnes. Pourtant avant. Parce que là, tout a été effacé, leur vérité est sortie. Leur vérité qui était bonne en soi est sortie. Et d'autres, c'était le contraire. Avant la Shoah, ils avaient l'air d'être tzadikim. Ils sont rentrés, ils volaient le pain des enfants. On n'accuse personne, ils avaient faim. Dieu préserve d'accuser. Mais c'est dans des moments où il y a plus justement les fausses différences, les béquilles de la vie qu'on voit apparaître la vraie différence entre le bien et le mal. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître la différence entre le bien et le mal. Et donc la notion de première étape dans le travail du Moussa, c'est cette capacité de Ma'atov Amiti. Ma'atov Amiti, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, Lo Aleinu, qui pensent qu'ils font le bien. Et quand je dis les gens, c'est chacun à son niveau, nous-mêmes. Il y a des textes textes de Moussard terrifiants qui disent que quelqu'un après la mort, il arrive au ciel avec son frac, son chapeau, et on lui dit, monsieur, ici on ne vous connaît pas. Comment on ne connaît pas? J'ai fait ça, je suis Roche Collel, j'ai fait ça, j'ai tout fait. Écoutez monsieur, on va regarder encore une fois, mais on ne vous connaît pas. C'est vrai que vous n'avez pas d'avérote, vous n'avez pas au guéidom. On ne voit pas d'avérote, mais par contre on ne voit rien. C'est un scandale, je veux voir le patron, je veux voir Hachem, on s'est trompé.
écoutez, monsieur, genre, avec tout le respect qu'on vous doit, on va encore regarder. Non, vide sidéral. Comment vide sidéral? Mais vous avez tourné dans le vide sidéral. Pourquoi? Parce que tout le bien que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Vous l'avez fait pour vous, donc ça marche pas, ça rentre pas là-haut. Ça rentre pas là-haut. Ah, pourtant, le pauvre homme, il était persuadé qu'il a fait le bien. Mais s'il le fait pour le kavod, il le fait pour lui, il le fait parce qu'on lui a dit de le faire, parce qu'il est né dans une famille où tout le monde faisait ça. Il n'a jamais raccroché ça à les Fumtsara Agra. Les Fumtsara Agra. Le mérite ne commence que quand on a sacrifié pour. Si on sacrifie rien pour, on n'a rien donné pour. On a fait les choses comme ça. On n'a pas de mérite. Aucun mérite. Le mérite, il est que si j'ai fait un petit élan, un petit mouvement de dépassement de la nature. J'avais envie de m'énerver, je ne me suis pas énervé. Là, il y a un mérite. J'avais pas envie de donner à Zaka, je l'ai donné. Il y a un mérite. J'avais pas envie d'étudier, c'était dur, et j'ai étudié parce que Dieu y veut, j'ai un mérite. Mais si je le fais pour avoir du kavod, je le fais parce que c'est ma fonction, je le fais pour mon salaire, bah t'as reçu ton salaire au lamazé. Donc choisir le bien à Miti, c'est d'être capable de cartographier dans son existence. Et si, si quelqu'un veut être un tzaddik, il est obligé de faire ce travail qui est douloureux. Douloureux. Pourquoi est-ce que je fais les choses vraiment? Et si on va jusqu'au bout, on peut imaginer une vie, toute une vie entière, où la vie m'a poussé à faire le bien, bah au Hachem. Mais en vérité, j'ai pas tellement de mérite parce que j'ai rien fait, moi. Mes parents m'ont élevé comme ça, j'ai vécu comme ça, j'ai fait les choses naturellement. Mais j'ai rien choisi, j'ai rien sacrifié pour, j'ai rien vraiment fait pour. Encore une fois, cette notion de conscience. Vous connaissez l'histoire des deux livreurs de lait. Rovetz Chaim a raconté l'histoire. Vous avez deux livreurs de lait qui livrent du lait tous les matins. Avant, on livrait le lait tous les matins en bas des devant les portes des maisons. Et les deux livreurs de lait, ils arrivent au Lavava. Là, il reçoit un super château, l'autre, il reçoit un petit HLM. Pourtant, c'est les deux Yosef Ben Haïm, les deux, ils ont eu la même vie. Ils allaient au même chiour de Dafyomi, ils livraient le même lait, ils faisaient exactement pareil. Et alors, Shimon, il dit, Hachem, c'est pas juste. Yosef, il a eu la même vie que moi, exactement. Pour... Il dit, très simple, toi, quand tu livrais le lait, tu le faisais, stam. Lui, quand il livrait le lait, il disait, je fais du chesed. Il transformait ça en chesed. Donc, chaque petite bouteille qu'il donnait, c'était une pierre de plus pour le château. Il était payé, c'est pas grave, il n'était pas payé pour la kavana de faire du chesed, il était payé pour faire l'acte. Donc on peut transformer l'acte en un acte banal, commercial, ou un acte de chesed. Et c'est dans la kavana. Oui. La différence, c'est que je suis en contact avec Hachem quand je fais quelque chose. Je le fais pour Hachem. Je le fais parce que j'ai besoin de manger, mais je le fais pour Hachem, je fais l'ishma. Et ça, c'est très important, parce que ça transforme toute la vie. Choisir le bien, faire la cartographie du bien, c'est d'être capable justement de démasquer des comportements à un moment donné qui soi-disant sont froums, soi-disant sont, mais en réalité sont complètement sociologiques. Il y a des gens qui sont froums parce que ils ont traduit la froumerie, la froumkaï comme on dit, en un mode de vie bourgeois. Un mode de vie bourgeois, parce qu'on a notre vie, on a nos références, on a notre monde à nous et tout. D'accord, c'est peut-être bien, mais ça amène rien du tout. La Torah n'est Torah que si elle est des Fumtsara Agra, que si elle change l'homme, que si elle transforme à l'intérieur la personne, que si elle lui permet de faire des choses qui sont contre sa nature, qui font qu'il dépasse la nature, qui fait des actes de chesed amiti, sans retour. Sans rien attendre en retour. Même pas dire ça, bien sûr que ça, c'est aussi. L'olishma, y'a volishma. L'olishma, y'a volishma, selon certains. Vu, c'est un mécanisme, les hatrila, d'après d'autres, c'est bidyaved. C'est une discussion. Est-ce qu'on est obligé de passer par le lolishma, ou est-ce qu'on peut aller directement au lishma? C'est une grande discussion. Mais ceci dit, c'est une grande discussion. Certains pensent qu'on est obligé de passer par le lolishma, pour arriver au lishma. Certains disent sera de shalom. Mais il y a les deux vues. Mais c'est pas important. D'après ces deux vues, tout le monde est d'accord que le but, c'est le lishma. Tout le monde est d'accord que le but, c'est le lishma. Et tout le monde est d'accord, et même les vues qui disent qu'il faut passer par le lolishma, ils disent que si tu fais du lolishma, les hatrilat, c'est une avéra, tu n'as pas le srout. Le lolishma n'a le srout que s'il y a avec la kavana d'arriver au lishma. Si on a besoin de Yeshua, on ne peut pas dire par le srout de cette mitzvah, on demandera cher. On peut demander. Le problème, ce n'est pas que tu n'as rien demandé.
Le problème, c'est que le cœur de ton existence, tu vois, est-ce que c'est inconditionnel avec Hachem? Est-ce qu'on a, parce que c'est ça la Rokhniyout. La spiritualité, elle est par essence inconditionnelle. Elle n'est pas liée au sociétal. Elle n'est pas liée à la société. Tout le monde comprend cela. Tout le monde comprend cela. Que la spiritualité, par définition, elle est éternelle. Elle a le goût de l'éternité. Or, si on a une vie qui n'a pas ce goût d'éternité, comment voulez-vous qu'on l'ait après la mort? Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est cette notion de cartographier. Moi, je dis cartographier. Ça veut dire être capable d'écrire, de penser. Où est le bien véritable? Ça veut dire l'ishma. Ça veut dire abandon de ses intérêts. C'est ça le principal. Le principal, c'est ça. C'est le dessaisissement de l'ego. Alors, certains, leur ego est dans la nourriture. Certains, leur ego est dans les ta'avot, dans les averot. Certains, leur ego, il est dans le kavod. Et certains, leur ego, il est dans leurs petits quatre arpents. Vous avez des gens, tzadikim, dès qu'on construit un chetzi balcon dessous d'un truc, tout de suite, on va voir le grand tzadik qui prie pendant des heures. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il était en carrosse pour aller prier à Kippour, je crois que dans une grande ville, j'ai oublié la ville. Son carrosse est cassé, il s'est trouvé coincé dans un petit village. Bon, il arrive incognito. Rabbi Akiva Eger, c'est le plus grand rabbi de son temps, au point où une femme très riche avait laissé une fortune avec un testament en disant « Je laisse cet argent au plus grand rabbin de la génération pour qu'il le distribue lui aux pauvres. » Alors à l'époque, chez El Hatam Sofer, Rabbi Akiva Eger, j'ai oublié le troisième, Chorpat Adam, je crois, je ne suis pas sûr. Et chacun, aujourd'hui, tout le monde dirait « C'est à moi ». Non, même aujourd'hui, les tzadikim restent les tzadikim. Chacun disait « Non, c'est pas moi ». À la fin, ils ont forcé Rabbi Akiva Eger à dire « C'est toi ». Rabbi Akiva Eger, il a pris l'argent, il l'a distribué aux pauvres de sa génération. Rabbi Akiva Eger, c'était quand on voit ses textes, c'est un géant de la Torah. Il est arrivé dans la Tfila, incognito, personne ne connaissait. Il a pris ses prières à côté d'un bonhomme. Ce bonhomme, quand il priait, il se tortillait. Il priait avec toutes ses forces, il se tortillait comme un ver de terre. Rabbi Akiva Eger. Et on ne parle pas d'un rigolo, parce que ce monsieur-là, ce n'est pas un rigolo. Pour impressionner Rabbi Akiva Eger, il fallait avoir le niveau. Rabbi Akiva Eger dit, je prie ici pour prier à côté de ce bonhomme, il me donne de la force dans ma tfila. Il s'arrête, parce qu'il faisait, Vatikin, vous savez, Netz. Après, il s'arrête. Très souvent, les minyan ashkenazim font comme ça. Ils font Vatikin, ils ont fini la tfila vers 11h. Et ils reviennent pour Mincha vers 1h, 2h pour Kippour. Ils vont se reposer pendant 2h. Ils reviennent l'après-midi pour Mincha. Il voit le même bonhomme qui était assis à côté de lui, on lui a volé sa place. Et il dit au bonhomme, pousse-toi d'ici, tiens, il commence à lui crier dessus et tout. Ah ben, Akiva, il ne revient pas. Il dit, comment ce même bonhomme qui a prié comme ça, il crie sur. Il va le voir, il lui dit, écoutez, monsieur, j'ai pris du rizou de toi ce matin, t'as tellement bien prié. Comment tu peux te comporter comme ça, de crier devant tout le monde, de faire honte à cet homme en public en le... Et le gars, il ne comprend même pas ce qu'on lui veut. Il dit, mais je comprends pas, quand je suis devant Dieu, mais lui, qui il est, Bichlal? Vous comprenez que ça, c'est le nom, c'est le compartiment de comportement sa spirit. On peut être très spirituel d'un point de vue X dans cette fille-là. On a compris que Dieu, il est tout. On a compris. Mais si on ne traduit pas ça dans son rapport aux autres, on n'a rien compris en réalité. Parce qu'il y a trois rapports qu'il faut qu'on ait. Rapport à Dieu, rapport à l'autre, rapport à soi. Et s'il manque un de ces trois rapports, ben les deux autres, ils sont aussi estorpillés. Celui qui prie toute la journée, qui regarde et sa femme, elle est malheureuse, il ne le regarde même pas. Sa prière, elle n'est même pas entendue. Mais celui aussi qui est dans le kibbutz, qui n'a pas la kippa, qui ne prie pas et qui fait tout pour Abisraël, il se prend pour un grand sadique, ben il sera puni. Il lui manque une dimension. Et celui qui a les deux, qui prie et qui est sensible à la souffrance et à la joie de l'autre, mais qui ne construit pas, qui n'a pas de rapport à soi, qui n'a pas de respect, d'ambition spirituelle pour lui-même, qui ne grandit pas dans l'étude de la Torah, de la prière et de la tfila, eh bien, il sera aussi puni. Il lui manque une dimension. Il y a trois dimensions à investir dans l'existence. Dieu, l'autre, soi-même. Et ces trois sont liées l'une à l'autre. Quand il en manque une des trois, les deux autres sont suspectes. Les deux autres sont suspectes. S'il en manque une des trois, c'est qu'il faut... Les deux autres sont suspectes. Parce que quelqu'un qui aime Dieu aime les autres. Celui qui aime vraiment son prochain, il voit Dieu dans le visage de l'autre. Et celui qui aime l'autre et aime Dieu, il sait qu'il respecte ce que Dieu lui a donné, il sait qu'il a une mission à devenir, à advenir, et donc à travailler sur lui-même.
Donc toutes ces choses-là sont liées. On continuera peut-être les autres fois pour finir, si Dieu veut, la mise à Jérusalem.